Hey Adama, on peut faire ça. Si vous faites autrement, nous aussi, nous allons chanter autrement. Si une pauvre femme après tant de souffrances a quitté la prison, elle attendait son mari. Après 10 ans, elle attendait son mari. Elle s'est rendue jeudi à l'aéroport pour l'accueillir parce qu'il était de retour. A quitté, il était de retour. Libéré, il était de retour. Devant nous et le monde entier, devant ses enfants et tous les médias, ce qui s'est passé ce jour à l'aéroport. Mes frères, je voudrais savoir ce qui s'est passé là. Est-ce que ça c'est bien? C'est pas bien. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Est-ce que ça c'est bien? C'est pas bien. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Est-ce que ça c'est bien? C'est pas bien. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Si tu veux parler, ils vont te bloquer. Si tu veux chanter, ils vont même pas partager. Bon. Est-ce que ça c'est bien? C'est pas bien. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Nous sommes dit qu'il venait d'arriver. Après 10 ans, il venait de retourner. Alors il n'avait pas certainement reconnu sa femme. Il n'avait pas certainement reconnu sa femme. Celle qui a tellement souffert à ses côtés. Celle qui devait mourir à ses côtés. Celle que les rebelles ont déshabillé. Celle que les rebelles ont violée. Mari de cette pauvre femme est le concepteur du fameux asseyons-nous et discutons. Lorsqu'il y a des problèmes, on y trouve toujours des solutions en discutant. Le vieux la mari.